Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne FMI. J'ai préparé une recette qui est le chili con carne à la coriandre façon orientale. Cela il nous faut 2 oignons rouges, 4 gousses d'ail, un bouquet de coriandre, un poivron vert, un poivron rouge, du cumin, du paprika fumé, un mélange de mexicain chili en poudre, des haricots rouges préparés, la tomate concentrée, de l'huile d'olive, un bouillon de cubes, du sel, du poivre et bien sûr 500 g de viande hachée. J'ai coupé tous mes légumes, que ce soit poivron rouge, poivron vert, oignon rouge, ail et la coriandre. Et là, je vais les faire revenir. Là, j'ai fait chauffer un peu, j'ai fait tout et je mets un petit filet d'huile d'olive. Et là, je mets tous mes dés de légumes dessus. Tomate, j'ai pas mis la tomate. Là, je fais revenir. Donc là, les légumes, je les mélange à feu vif. Qu'elle soit bien imprégnée de l'huile d'olive. Et là, je fais cuire al dente pendant 5 minutes. Donc là, mes légumes sont al dente. Je vais rajouter la viande. Donc la viande hachée que j'ai lavée. Et je mélange bien. Et je vais les laisser revenir pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je vais rajouter les tomates que j'ai coupées en petits dés. À mettre mes épices. Donc en premier, je vais mettre mon bouillon de cubes de légumes. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Du poivre noir, du cumin, donc du cumin. Ensuite, du mélange mexicain chili en poudre. Du paprika fumé. Je mélange. Et je vais rajouter une petite cuillère de tomate concentrée. Une petite cuillère comme ça de tomate concentrée. Voilà. Et je mélange bien.
Voilà. Et je laisse mijoter tranquillement. Pendant 30 à 40 minutes à feu doux. À tout à l'heure. Voilà. J'ai fait cuire mon chili con carne à mi-couvert pour que le jus diminue. Là, c'est pratiquement cuit. Et là, je rajoute mes haricots rouges qui sont déjà épicés et préparés. Et là, je mélange tout doucement. Et je laisse revenir 5 minutes. Là, à côté, j'ai préparé du riz pour accompagner mon chili con carne. Voici mon chili con carne à la coriandre façon orientale. Donc, je vais vous montrer une assiette de présentation. Alors, voici le chili con carne façon orientale à la coriandre. Je l'ai accompagné avec du riz. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye !